Différente de Dieu qui doit orienter notre vie sonne bien, mais reste plutôt indéfinie et un peu vague. C'est pourquoi Dieu nous a donné des exemples. Les mages venant d'Orient sont seulement les premiers d'un long cortège d'hommes et de femmes qui, dans leur vie, ont constamment cherché du regard l'étoile de Dieu, qui ont cherché le Dieu qui est proche de nous, les êtres humains, qui nous indique la route. C'est le grand cortège des saints connus ou inconnus, par lesquels le Seigneur, tout au long de l'histoire, a ouvert devant nous l'Évangile et en a fait défiler les pages. C'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant. Dans leur vie, comme dans ce grand livre illustré, se dévoile la richesse de l'Évangile. Ils sont le sillon lumineux de Dieu que lui-même, au long de l'histoire, est tracé et trace encore. Mon vénéré prédécesseur, le pape Jean-Paul II, a béatifié. Il est avec nous dans cette heure. Les mains serrées, ça c'est facile.
fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas impossible, se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, trop pour moi. Quand je me réveille,